Ti politiki ninnu ye déclaration minnu kɛ, an ye a lamɛn, an ye an ka analyse k'a kan, k'an ka jateminɛw k'a kan. Mais aw nali ka ɲi parce que pour que mɔgɔw k'a dɔn nin déclaration minnu bɛ kɛ parce que a bɛ kɛ effet médiatique de don quoi. Mais comme an fana ye contre effet médiatique dɔ ye, an b'a ɲɛfɔ. Nous avons énuméré 31 partis politiques, à peu près 9 organisations de la société civile. Donc les 31 partis politiques constituent 10% des partis politiques au Mali. Ça veut dire que les autres 90% ne sont pas avec eux. Il y a 300 partis politiques au Mali. Il n'y a que 31 partis politiques qui ont fait cette déclaration. Ça veut dire, du point de vue politique, ils ne constituent aucune majorité. Les 9 organisations de la société civile qui sont avec eux, au Mali, on a 42 000 organisations de la société civile. Donc, ils sont moins d'1% de la population malienne. Il faut que l'opinion internationale le sache. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas parlé au nom du peuple. Ils ne représentent pas le peuple. Ce qui est encore important, c'est que ces partis politiques et ces mouvements ont en commun le rejet de la constitution du Mali, la nouvelle constitution. C'est eux qui ont obtenu 3% contre 90% de oui. Ça, c'est des révélations importantes, des analyses importantes pour que l'opinion nationale et internationale puisse comprendre que ces organisations ne pèsent absolument rien. Ils ont obtenu 3% lors de l'élection référendaire parce que c'est eux qui ont rejeté cette constitution. Deuxièmement, il est important de comprendre que ce sont ces partis politiques-là qui ont fait la délégation de la sécurité du Mali à la France et à la communauté internationale. C'est au moment de leur gestion du pouvoir et en communion ensemble, c'est eux qui ont délégué la sécurité du peuple malien à la France et à la communauté internationale. Troisièmement, nous voudrons que l'opinion nationale et internationale comprenne que ce sont ces partis politiques-là et ces mouvements qui ont défendu les sanctions illégales et illégitimes de la CEDEAO contre le peuple malien. Ce sont ces partis politiques aussi qui se sont opposés au départ de l'armée française et même de l'aménagement du Mali. Il est important qu'ils sont pour le libéralisme sauvage et son corollaire d'ajustement structurel au Mali. Ce sont ces partis qui veulent aussi le maintien du Mali dans la CEDEAO. Ils sont contre le retrait du Mali de la CEDEAO. Et ce sont ces mêmes partis qui veulent le maintien du Mali dans le franc CFA. Donc, tout ce qu'ils cherchent autour de cette déclaration, c'est la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Et c'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que dans leur communiqué, ils commencent par citer d'abord, ils disent « vu la charte ». Ils n'ont même pas parlé de constitution. Donc c'est un mépris. Mais même si on les prend au mot, ils disent « vu la charte révisée de la constitution ». En se référant de la charte révisée de la constitution, là, ça veut dire qu'ils prennent la charte révisée de la constitution comme la loi fondamentale qui parle pas de la transition. Et cette charte révisée de la constitution, dans son article 22, dit clairement que la durée de la transition est conforme aux recommandations des assises nationales de refondation. Ça, c'est de 6 mois à 5 ans. Et deuxièmement, alinéa D, c'est bien dit que la transition prendra fin par l'organisation d'élections présidentielles. Donc ça veut dire qu'en référence à cette charte révisée et à l'article 22, il n'y a pas de vide constitutionnel ni de vide institutionnel. Les 24 mois, que eux-mêmes ils ont dit la durée ce n'est pas le délai. C'est quand vous prenez une durée, et vous composez avec l'ensemble pour atteindre cette durée. Et c'est le décret. Ils le savent très bien que le décret ne peut pas aller, n'est pas au-dessus de la Constitution.
Donc, dès lors qu'eux, ils ont parlé de la charte, qui est une constitution, le décret tombe. Parce que le décret a pour référence la charte dans son article 20. Ils veulent qu'on les intéresse un peu du pouvoir. Mais et ils disent comme pour pouvoir organiser une élection présidentielle. Nous allons être clairs avec eux. Il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale. Il n'y aura pas de partage de gâteaux. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas à l'ordre du jour. L'organisation des élections, pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la stabilité du Mali, c'est la pacification du Mali, c'est le dialogue inter-malien. Et à la suite de ça, nous allons décider de ce qu'il faut faire au Mali. Ce qui est à l'ordre du jour, ce n'est pas de la mendicité. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est de la mendicité. C'est de se référer aux partenaires internationaux qui vont essayer de financer les élections. Le Mali s'oppose à tout financement d'élections par un partenaire que ce soit. Nous allons financer les élections du Mali par le budget de l'État. Déjà, on a attribué 5,97 milliards à l'EJ et ça se fera selon la souveraineté du Mali. On leur demande de se soumettre à cette constitution qui parle de la souveraineté du Mali sur toutes les actions. Et qu'ils comprennent que le retour du Mali à l'ordre français, là, c'est irréversible, on ne va plus y retourner. On est à la période d'affranchissement. Mais nous demandons au gouvernement, puisque dans leur déclaration, ils n'ont jamais condamné les attaques. Il y a 7 attaques simultanées, il n'y a pas plus d'une semaine. Ce qui les intéresse, c'est seulement l'organisation d'élections. Et ils s'enfuient du peuple malien. Et ils s'enfuient de la souffrance du peuple. Ils veulent seulement être au gouvernement. Mais je crois que nous avons déjà compris. Mais que le peuple malien se rassure que ces déclarations sont des déclarations médiatiques à travers leurs relations incestueuses avec la France et la CEDEAO, ça n'ira nulle part. Et je rassure le peuple malien que nous, soutiens de la transition, nous avons déjà commencé à nous retrouver. Et sous peu de temps, nous allons mettre sur place un mouvement de défense du processus de refondation du Mali. Nous, on veut la vraie démocratie au Mali, mais pas la démocratie des façades, basée sur l'organisation d'élections de tripatuage. Ça, c'est fini. Et que le peuple se rassure, on est en phase de reconstruction du Mali, on va le faire. Nous n'avons pas peur d'aller aux élections, nous n'avons pas, mais nous avons peur de laisser notre pays dans la main des gens qui veulent encore nous faire revenir dans l'ordre ancien. Ça, c'est déjà fini. Donc, c'est pour dire à l'ensemble du peuple malien que nous avons pris bonne note de ces déclarations, mais qui ne vont pas prospérer. Ils peuvent crier comme ils veulent, ils peuvent parler comme ils veulent, mais nous demandons au président de la transition de mettre en application l'article 24 de la nouvelle constitution, qui dit que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Et à travers cet article 24, qu'il commence à mobiliser tous ceux qui sont aptes à participer aux élections maintenant, doivent être aptes à prendre des armes pour défendre le Mali au front. Et nous demandons aux autorités de décréter l'état d'urgence. Il ne faut pas minimiser ces déclarations. Parce que ces déclarations sont soutenues en dehors du Mali et par d'autres forces du mal. Parce qu'ils font l'affaire du monde unipolaire, du libéralisme sauvage. Donc c'est important qu'on décrète l'état d'urgence ou que les autorités suspendent les activités des associations et des partis politiques au Mali. Nous sommes en guerre. Nous avons un problème existentiel. Ce n'est pas de ces élections qui vont résoudre cette question. Il y a le plan de l'OTAN contre le Mali pour déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. Comment on peut mettre ça de côté et écouter 10% des partis politiques, mais pour faire quoi? Et d'ailleurs, ces partis-là ne représentent rien. Ils n'ont même pas leurs militants avec eux. Toutes ces déclarations, ces déclarations-là se font à Bamako. Voilà un peu ce que j'ai souhaité dire en français. C'est important parce que nous sommes dans l'espace AIS, nous sommes dans le monde national et international, que l'opinion nationale et internationale sache que ces partis politiques ne représentent rien. Ils sont 10% des partis politiques et moins d'1% des organisations de la société civile du Mali. C'est pour rassurer nos frères du Burkina, du Niger, que ceci-là, ces mouvements sont des mouvements passagers.
Mais nous demandons aux autorités, même si c'est passager, de prendre au sérieux. De prendre au sérieux parce qu'il ne faut jamais minimiser un adversaire qui veut déstabiliser le pouvoir. Jamais. Et il ne faut pas qu'on se leurre, même si c'est une seule personne, il faut mettre des garde-fous. Et nous voudrons que les autorités maliennes montrent à ces gens que l'État est fort. Cela a tout son sens. L'État est fort. Et la raison d'État prime sur toute question de liberté individuelle ou de liberté d'expression. Merci. Moussa, on pourra ça qu'on ne va pas à la main. Sabla, man, on oublie, aïe, qu'à fouiller la silique, à Kara, Nansarakana, à Karami, Adéman, et Jabala Baye, ou quoi saisi, n'a pas commune trois là, nous Adéman saisi, à Kabir Nationali, ni la Sili, à Kerai, parti ma binane, à Ninko, et à ces mouvements et regroupements humains, nous brèges à une plateforme où nous brèges les Kumbé, non, nous nous coquons à ta élection pour la Kunka, ou la Sili de Bonne Frère, on aura fait, Anga et Nansarakana, n'a qu'à d'un an, à Kanyafolik. Je suis un peu plus de temps. Parti baya be do ika representant ne fait maire kunda ani député kunda ote mali parti bebe niveau kelen nan sisa al ni minglana bi ani parti baye kelen mwen ne ka baka baka ke ko parti ba ote ko mo to ko ango foka no bola maintenant ambe fe malien be ka min famia ni nuna folo yana nga do kuma kono malien shika na siran nunu nga kuma kana mo baka baka nunu nga la seli kana mabo ijaka ambe fe malien be kadro yo be faranyo nga keme keme sarada uye mo biolon vlani kononton okume fa refe niye ni parti nunu faranyo nga ni parti nunu de fenegra partué nunu be frantika intérêt défend mali kono ni parti gele nunu mo nunu a folon nous, Maliki Bolobo Franci, Boloka Francica, armée gain, Oma Benonuma. Ministre Geni, Oma Benonuma. Malika plenty do Francicama, Oma Benonuma, Oda Goshima communique avec Kuba Deme. Ministre Geni, ma Benonuma. Ni parti nota, mais vous t'amateur de Dima. Ni parti nous t'amateur de Jumefene. Parti Munumbe, nous ma Geni, Aïs Kreli. Ni parti nous n'est parti Munu Jume. Parti Mounoumbe, nous sommes Sedao Kabarala. Ni parti nous sommes parti du même. Sedao est sanction minta, malika population kama. Kalo wolon vla, mounou koka sanction nyana, nous sommes ka dema ou de kelen fleni. Ni parti nous ne ko, quand on y franchi manga blanyona, quand manga to, quand on y reto franchi bolo, akan flumoto, kan falangata. Ni parti nous ne ko, quand on y to jonyala, quand on y bo sefala, ni parti kelonga la yini ode. Ni parti nous de ko quand on a to accord d'Alger de là voilà ça jamana en kafara parce que accord talent fait cela me fait ou tout faire comme on te dialogue intermalien fait nous de ko ko dou mon yanga sera tout fra comme so bla flia là ka dimte nous tanya quand nous lucas qui ka kuma au parti de fleni o ni parti nous de ko quand on manga bo sidao la fio quand to franchi bolo jonyala. Ni parti kelen nous nous n'ga barayoui. Wa ni parti be a be représenter les mes français. Eh ni parti kelen nous. A be sous mes français. Eh ngo RPM mo ko metre. Wa RPM socialiste soutien ngo be sous mes français wa kala mon. Français français partout représentant on est do. Wa ni parti munu me kan fo.
a fora kuma mununa ko atiminga to ko France ka representant munu be ko ke transition nyema oni premier ministre abe nunu chelai seda ok nyemu nundi ko ko ke candidat abe nunu chelai donc maintenant nunu de be fait kangata election a dore tere gribuya parce que nangwa meta election a France ni partenaire banga élection financière wo be clac ko luta ko sigi anchema anu anta tote o election na de am mogote France ga war la blen am banga war be bo an yere ga jigine kuno ya kanga election préparé malion de be mota u mo u malion mana somi o bo de ta election ti nyaga mi amble o te gable ni partenaire nu yo kuma be fo fo malion ga sécurité o to lu nya sirala ah o kon ma fo ata ku kera o tu nya sirala kura me malila o to ka problème yi djité malien bolo o tuka problème yi amé songolo kono ay nokake mawi uluka sirate uluta emu ye dron uluka na fangala donc ni u ka déclaration be djati mine we kuma munu fo we kuma kuma djugo fo me we kuma djugo fo u ka kuma emu ye ka nga djé ka gato kla ani nyokonté gouvernement nga laje anga siki ka fo ke anga laje ni mbi tika bla place mine ango nyana bo ka troka ta election na fo ma ngwa siki ka fo ngera ka te ayi ne be faka mun fena nunu nga sirate te ko ko transition be ban nani élection présidentielle ke donc si ça oulga la ni muye anga ta transition na jona ali na ya sur kalo woroni sanduri akana kokono ka article muani flaka président ye jetine do reke kumi jamana de uye kalo woro ani sanduru dinema ne fene ba laje mbe san flata mbe a forme fe ka élection organisée ni uye mais comme na mena election organisé jeune mbaro ministre mabeta makutono jeune kumbado ko ni bekele beke jeune kumbado ko tombok tu batombe attaqué ay jeune kumbado ko lu yereka fiché glané utra mindi francima ko problème mena donc ni ni jatimne ibina e ka fo président e gafé munta na be fo ma ko décret ano lu charte min fo charte be na fo charte a sumbadi donc jamana ka wokati a sera sumba tengune be charte révisé lené là Ote la sumba kufene wakati minfo Uye kalo woro kata sandurula Don kalo tani fila imbo kono Ali prezangu ye sandani ta ubo kono Prezangu tika teme sanduru dika Atese No de sila ma ungo dele sila Metina ano dele sila Afora kalamani mwani fila ingono Kwa dele be sede ni Prezangu kalafili kera kumamina Wa prezangu kalafili kelenko Prezangu sigilenko Ani prezangu betranisho na nuye bolo mafalenke Wala kena minta raja manadionfo ukadu Okera fola ko on chima ke ago ko ko kete afra ko afemi nga ago ko kete ko abana ko virjuri digbe ko fote mi ba to ku kan barake donc kuma nu shi si le tesinga wa be chita ne kuma do me kuma nu kono munu be ka fo ko vide juridique wa kla ka fo ko no lu ko gouvernement des missions ko lu ko de ko korote ko force de défense u bala de ko strasu be do ala ko me ko te nu ye donc o te chita ka kena fo awni sratu wero be bara la nyofe donc nunu ka boy donc o te ka armée re fara e fola c'est l'esprit de dire que sratu toni transition nyema o te nyofe alors que la politique de la guerre au Mali na fora ko ma be ta ce pays la sratu ka bara nofe atimi ne beta sratu kelen te ka marfa chi ni atimi ma consigne dama o te ka ke ay sratu te marfa chi nuko consigne c'est le pouvoir politique qui donne les consignes pour aller à la guerre bon nunu nga la yine mwenini fena borai amana ko transition banata ni atimi nunu te u klaka ta cpi ko fena la wala saka nunu traduit nunu traduit ngoto ni nunu kele onde fena be ka jien mo ko de me ko anye civil de fara kama terodi tu fara o mo kele me ni parti nunu ngwa groupe chelai ali munu me ko fa o fena semene ko ina wa ngo ko glane ne parti mo do bol ne ni watina ai nunu ni bereka mili nine donc o de la ame fe malenga mun famia ou kana siran ou kana joro da papalité foyer mais amba fo anga jimana maraba onyina jimana siga marani no ga morel do ni kulenya fangala fanga ngo bu kulenya fangala on de arti banga sera sumba kura kono anga article 24 noye mwan nani ko jimana demeni fasudin beka wale yae wala min jagwalendo anka wa ko fene ko jimana de wona de ni ma
ukana kulungula pourquoi ukana kulungula ça dit ali ali ni nyine de be cheninge kana kulunga nyine la nyine dengele kumate armadema abiga boroso parce que ebe jo ala jomola e karaide de kosebe kana jomola mo me ka kuma munu fo na be taninga segina inofe taninga segi bana mayne amay o korote ko mo bu kore mo tu ko me fanga de manka mara nini don amba nyini jamana nyemo fe ame wogati mina chita ombe garde la guerre kononate politique kumay ou ka activité politique jo ou ka décret d'urgence ta anga jamana boni kono folo amana ngitoto election mekeo abeke meni ma ko kumita kuncha odeka olbe démocratie mino fe ame démocratie yere yere deko démocratie muna ni mali furufuru ferela mali boucher mali mangoro ferela abina nyemo ta nyemo mina ba dokaleka nini sigira alebe ka mangoro fere bitanye nini sigira aleka boucher ya betanye nini sigira aleka furufuru fere betanye nini sigira aleka terre ya betanye amuko atina fo kameka fo kame dore kame ameka jamana de jofolo ni jamana jora olube mu no fe obe nawo bana honorable ni mamu no bole fe ka declaration yala uere de kanda iwa o bien maro de bubule obe fe ka mamu jora matute sabla maliongo kute ku afen nunun te kalafili kola san neki mangwal nantra kalafili la nunun daba ere ba ko da do tulu la yoro do la quoi kuma imbo drone no fe kuma imbo drone no fe ça dire anga laje am fene daka do tulu la han o drone do anga sika kuma anga laje president anga boy baga baga lu de do o ti marché onu e follow baranu de c'est des pratiques de 91 ou bien de 2018 ni opposant mi wuli la ka mangan chika yoro beke choni makoroni o be wele ka place do do makoko da de che kuma ki da fara o te kan genere c'est pas comme ça ante meno fazika ouais, il faut que papa Mbega forme un connu indispensable. Même à l'infoma. Tu m'en as